Bonjour, je m'appelle Binta Barry, je suis étudiante en licence à l'école des bibliothécaires, archivistes et documentalistes à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Oui, je vois que la science ouverte peut apporter à notre pays le partage du savoir, des recherches et des données qui sont stockés sur place et qui ne sont pas diffusés. Ils vont permettre à tout un chacun de pouvoir accéder aux ressources. Le fait de partager les données, je vois que c'est plus facile d'un point de vue, de l'autre côté c'est un peu restreint aussi. Parce que certains ne veulent pas mettre à la disposition, certains chercheurs ne veulent pas donner leur recherche, leurs documents, leur support en accès libre. Parce qu'à cause du piratage, certains ne veulent pas mettre en accès libre leurs données. Oui, d'un point de vue, oui. Parce qu'en Afrique, surtout au Sénégal, on a un problème de connexion, parce que la connexion n'est pas un accès pour tout le monde. Dans certaines régions, on n'a pas accès à la connexion, même certains dans les universités aussi, on n'a pas tout le temps la connexion. C'est un peu difficile pour nous, étudiants et chercheurs aussi, de pouvoir accéder à ces... Oui, j'aimerais bien... qu'on fasse des colloques, des séminaires de plus en plus dans les universités, les écoles de formation pour que les étudiants qui préparent leur mémoire puissent mieux savoir ce qu'est la science ouverte. Bien sûr, c'est un outil de développement vu que nous étudiants, nous en bénéficions beaucoup. Et nous voudrons aussi que les élus locaux puissent en bénéficier pour que le gouvernement sache que nous, étudiants et chercheurs, nous sommes en voie de développement. Comme on dit, apprendre autrement, il faut qu'on fasse de nos mieux pour aller en avant et mettre en accès nos données, nos recherches et nos documents.